Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un bricolage de Noël, donc ce sera avec du recyclage parce que ça va être avec un rouleau de papier toilette, donc c'est comme ça, donc vous pouvez recycler vos trucs en faisant ce bricolage. Donc je voulais vous dire que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que je me suis fait une entorse à la cheville, donc bien sûr je me suis un peu soignée en quelque sorte, donc voilà, du coup j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Donc pour cela, bien sûr, il vous faudra un rouleau de papier toilette vide, un ciseau, une petite pelle, donc ça sera pour faire le visage de votre truc de Noël, parce que ça va être un petit truc de Noël. Donc pas besoin de prendre une grande feuille, sinon ça va vous gaspiller, vous pouvez prendre une petite. De la peinture acrylique, un pinceau, un feutre marron, un petit stylo rouge, un feutre noir, et un petit truc pour mélanger votre peinture, mais vous la mélangez dans ce que vous voulez. Donc nous, on va faire ceci. Donc ce sera un petit renne, après vous faites ce que vous voulez. Alors, donc déjà, vous mettez votre peinture dans votre petit récipient. Hop, donc je mets la peinture. Et du coup, ben, vous allez peindre votre petit truc. Donc ça, ben, vous savez faire, hein, je pense quand même. Donc je le peins et je vous retrouve juste après. Donc du coup, quand votre petit truc, vous l'avez fini de le peindre, il faut le laisser sécher. Donc moi, il est sec. Donc ensuite, vous allez... Ah oui, et aussi, j'avais oublié de préciser qu'il fallait de la colle. Bon, ça, je pense que tout le monde en a chez soi. Donc maintenant, vous allez prendre votre petit papier blanc et vous allez détailler ben, ses yeux, sa petite bouche. Donc simplement, vous faites les yeux, vous coloriez. Donc après, vous faites son petit visage. Donc c'est vous qui décidez hein, comment vous voulez qu'il soit. Donc moi, je lui fais des petits yeux, je vais lui faire une petite bouche, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un deux bouches. Et ensuite, je vais finir par lui faire son petit nez rouge avec mon petit stylo. Donc voilà, et ensuite vous allez détailler ses oreilles. Enfin, pas ses oreilles, mais je veux dire ses petites cornes, en fait. Donc, soit vous pouvez l'imprimer, soit vous le dessinez. Donc, moi, je suis pas une pro, mais bon, voilà. Donc, voilà. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez dessiner. Hein. Donc, je découpe et je vous retrouve juste après. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Enfin, après, ça dépend ce que vous faites, hein. Mais moi, du coup, je fais un petit renne, donc voilà ce que ça doit vous donner si vous faites un renne. Donc, ces petites cornes. Donc, ensuite, vous allez reprendre votre tube du début et vous allez prendre votre colle. Alors, donc, vous allez prendre vos petites cornes du renne. Faites comme ça, vous mettez de la colle. Ensuite, vous allez coller en fonction. D'ailleurs, là, excusez-moi, je me suis plantée, c'est juste sur le devant, en fait. Comme ça. Et là, vous allez rabattre, en fait, comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais normalement, ça va donner ça. Donc je fais pareil pour l'autre, je mets de la colle et je colle. Donc voilà ce que ça va vous donner pour les petites cornes. Ensuite vous faites pareil avec les yeux, le nez et la bouche. Donc voilà ce que ça donne quand c'est tout collé. Donc je peux vous donner une petite idée. Donc moi j'avais aussi fait un petit Père Noël. Donc après vous pouvez faire un bonhomme de neige, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez, vraiment c'est à votre inspiration. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des likes. Bisous !